Bonjour. Bienvenue sur Objectif Math. Dans cette vidéo, nous résolvons l'exercice suivant. On se donne A et B deux matrices complexes carrées d'ordre N qui commutent et on considère la matrice M définie par bloc matriciel, la matrice A, en dessous la matrice nulle carrée d'ordre N, à droite de A la matrice B et en dessous de B à nouveau la matrice A. On nous demande 1. De montrer que si U et V sont deux matrices carrées d'ordre n à coefficients complexes semblables et R un polynôme quelconque, alors la matrice R de U est semblable à la matrice R de V. 2. Pour tout polynôme P complexe, on doit calculer la matrice P de M. 3. On va montrer que si A est diagonalisable et B est nul, alors M est diagonalisable. Et 4. On va étudier la réciproque vous devriez maintenant mettre la vidéo sur pause et chercher à résoudre l'exercice par vous même. Ça y est? Bien. Alors on attaque la correction. Dans la question 1, on se donne deux matrices complexes carrées d'ordre n, u et v que l'on suppose semblables. Ceci signifie qu'il existe une matrice Q inversible telle que u soit égale à q fois v fois l'inverse de q. On démontre alors facilement par récurrence que pour tout antinaturel k, u exposant k est égal à q fois v exposant k fois l'inverse de q. Considérons alors r égale à la somme pour k variant de 0 à d de r indice k fois x exposant k un polynôme quelconque à coefficient complexe. La matrice r de u est égale à la somme pour k variant de 0 à d des r indice k fois u exposant k, c'est-à-dire à la somme pour k variant de 0 à d des r indice k fois q fois v exposant k fois q exposant moins 1. Et en factorisant par q à gauche et par q moins 1 à droite, on obtient facilement R de u est égal à Q fois R de v fois Q exposant moins 1. On a ainsi prouvé que R de u et R de v sont semblables. Dans la question 2, on considère P égale à la somme pour k variant de 0 à D des p indices K fois X exposant K, un polynôme quelconque à coefficient complexe. Pour calculer P de M, on va d'abord calculer les puissances de M, et on commence avec M au carré, qui est égal à M fois M, et en effectuant le produit par bloc, on obtient la matrice par bloc A au carré et la matrice nulle pour la première colonne et AB plus BA et A au carré pour la deuxième colonne. Mais comme on a supposé que A et B commutent, on obtient M au carré égal à la matrice bloc A au carré zéro 2AB et A au carré. M au cube est égal à M fois M au carré que l'on développe encore par bloc et on obtient finalement M au cube égal à la matrice bloc a au cube 0, 3 a au carré fois b, a au cube. On démontre alors facilement par récurrence que m exposant k est égal à la matrice bloc en colonne a exposant k 0, k fois a exposant k moins 1 fois b et a exposant k. P de m est alors égal à la somme pour k variant de 0 à d des p indice k fois m exposant k, et il suffit alors de remplacer m exposant k par l'expression que l'on vient de trouver. Ce qui donne la matrice bloc en colonne P de A, 0, P' de A fois B, P de A. Dans la question 3, on suppose que la matrice A est diagonalisable et que B est nulle, et on va montrer que M est diagonalisable. A étant diagonalisable, il existe une matrice inversible Q, telle que la matrice Q exposant moins 1 fois A fois Q soit une matrice diagonale que j'appelle naturellement D. Considérons alors Q', la matrice définie par bloc, première colonne, Q et la matrice nulle, et sur la deuxième colonne, la matrice nulle et la matrice Q. Il est facile de vérifier que Q' est une matrice inversible, et que son inverse est la matrice obtenue par bloc, de la même façon que Q', mais en utilisant la matrice Q-1 au lieu de la matrice Q. Le calcul par bloc de Q' exposant moins 1 fois M fois Q' donne alors la matrice bloc D0 0 D, qui est bien une matrice diagonale. On a ainsi montré que M est diagonalisable. Dans la question 4, on étudie la réciproque. On suppose donc que la matrice M est diagonalisable. Notons lambda indice 1 jusqu'à lambda indice k les valeurs propres de M que l'on suppose deux à deux distinctes. Considérons le polynôme P égal au produit pour L variant de 1 à k des x moins lambda indice L. P est clairement un polynôme annulateur de M. Mais on a vu dans la question 2 l'expression de P de M en fonction de A et B on en déduit que P de A est la matrice nulle. P est donc un polynôme annulateur de A, et comme P est scindé avec des racines simples, la matrice A est diagonalisable. Considérons maintenant le polynôme P'. Il est aussi scindé sur C, mais aucune de ses racines mu indice L n'est égale à une racine de P, car P n'a que des racines simples. Autrement dit, aucun mu indice L n'est valeur propre de A, et donc les matrices A moins mu indice L fois l'identité sont toutes inversibles. Leur produit qui n'est autre que P' de A est donc aussi inversible. Mais la matrice P' de A fois B est nulle. C'est donc que B est nulle. Et on a ainsi montré la réciproque, si M est diagonalisable, alors A est diagonalisable et B est nulle. L'exercice est terminé, mais on peut quand même se demander si le résultat reste valable lorsque A et B sont quelconques. En supposant cette fois-ci A et B quelconques et M diagonalisable, en adaptant le calcul de M, on arrive encore à montrer que la matrice A est diagonalisable. Par contre, la matrice B ne sera plus nécessairement la matrice nulle. En voici un exemple. Avec la matrice A carrée d'ordre 2 donnée colonne par colonne 0 0 0 1 et la matrice B carrée d'ordre 2 donnée par colonne 0 1 0 0, la matrice M obtenue est la matrice carrée d'ordre 4 suivante. Une première façon de voir que M est diagonalisable est de voir que le polynôme x fois x moins 1 est un polynôme annulateur de M et comme il est scindé à racine simple, M est bien diagonalisable. La deuxième façon consiste tout simplement à déterminer les sous-espaces propres de M que je vous donne ici sans détailler les calculs. Voilà, cette vidéo est terminée, vous pouvez me laisser des commentaires et me poser des questions. À bientôt sur Objectif Mat.